Alors, retour sur le salon de l'IoT. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Oui, ouais, c'était très, très enrichissant et plein de contacts. Ouais. Content d'avoir gagné? Et ben, tant qu'à faire, c'est mieux. Ouais. Ouais, ouais, on avait préparé le pitch, ça a passé, tant mieux. Bon, ben, c'est splendide. Est-ce que vous comptez revenir l'année prochaine pour une prochaine édition? Oui, je pense que ça a été positif pour nous. S'il y a ce même, on va dire, momentum et ce même mouvement, il n'y a pas de raison. Ouais. C'était une belle journée. Très bien. J'aurais une autre question à vous poser. Est-ce que, en dehors de vos domaines de prédilection, est-ce que vous avez fait des découvertes intéressantes dans des domaines que vous ignoriez ou d'autres modules, par exemple? Alors, bah, je vais dire pas tant que ça. Peut-être aussi parce que j'ai pas eu beaucoup de temps pour faire tout le tour, etc. Mais la plus belle découverte, c'est la richesse de l'écosystème local. Ça, pour le coup, nous, c'était la plus belle découverte, c'était ça. Les réseaux? Ouais, non, mais le fait qu'il y ait beaucoup de sociétés qui sont actives dans ce domaine et que c'est stimulant de voir ce système-là. Ça, c'était la plus belle découverte. Ouais. Ben, c'est parfait. Je vous félicite du coup pour ce prix de Smart City. Et du côté de la ville de Marseille, du coup, lors de ce salon de l'IoT, qu'est-ce que ça vous a apporté en tant que partenaire? Alors, notre principe, c'est surtout d'essayer d'animer l'écosystème et faire se rencontrer les univers qui n'ont pas l'habitude de se rencontrer, donc le monde industriel, le monde privé vis-à-vis des collectivités, et faire émerger donc des opportunités de projet, mettre à jour un petit peu nos curseurs sur la connaissance de l'état de marché, de benchmarker, et d'identifier nous-mêmes déjà des opportunités de projet, quoi. Et donc la journée a atteint ses objectifs pour nous. On a pu à la fois avoir ces temps d'échange et identifier des éventuelles opportunités de projet, et notamment avec notre collègue Géré qui a reçu donc ce magnifique prix. Alors c'est parfait, merci à vous deux. Merci pour cette interview. C'était top. Très bien. Merci.